Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui, j'ai reçu ma machine et je vais essayer de faire le setup, la mise en place. Et d'abord, je vais commencer par essayer de mettre du fil jaune, pour qu'on voit bien mes vilaines coutures, sur la bobine du bas. C'est relativement simple quand on arrive à mettre le petit fil dans le trou-trou, on désactive en fait l'entraînement de la machine. Et on remplit la bobine avec du fil. C'est un petit processus qui est relativement simple. Et maintenant, je vais essayer de mettre ma bobine correctement. On verra après que je ne l'ai pas vraiment bien mis correctement. Maintenant, on va faire le setup de la machine, c'est-à-dire faire courir le fil dans les différents endroits. Alors ça peut varier d'une machine à l'autre, mais c'est toujours plus ou moins le même principe. On fait tourner autour du bras qui va permettre de régler la tension. On fait redescendre le fil vers l'aiguille. Il y a un espèce de passage qui est relativement difficile pour moi à faire passer le fil, et ensuite on met le fil dans le trou de l'aiguille. Alors là, justement, j'essaye de faire passer le fil sur le passe-fil qui est à côté de l'aiguille. Et c'est un petit coup de main à prendre. Chaque machine a sa façon différente de faire passer le fil. Celle-là est relativement simple. Je suis plutôt content de mon achat. Et vu que c'est marqué dessus « Super Jean », ça peut coudre jusqu'à 12 épaisseurs de tissu, a priori. Là, je regarde et je suis un peu dubitatif et j'essaye de comprendre comment ça marche, jusqu'au moment où j'arrive enfin à comprendre comment passer le fil. En fait, il faut le passer derrière, devant, etc., etc. Maintenant, la partie la plus difficile pour moi avec mes vieux yeux, c'est d'arriver à mettre le fil dans le petit trou-trou. Et là, j'y arrive relativement facilement. Donc maintenant, on a les deux fils qui sont en place. Il va falloir faire remonter le fil du bas. Et là, en fait, je m'aperçois très vite que le fil ne remonte pas. Tout simplement parce que j'avais pas laissé suffisamment de fil pour le faire remonter. Voilà, c'est le setup de la machine à coudre. Il y aura bien sûr quelques épisodes de couture, parce que la couture c'est ultra trop bien. Et ça permet de faire plein de choses. Un nouvel outil, des nouvelles vidéos, que du bon fun. Merci à tous et à très bientôt.